Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Starbound V4, please, Giraffe, toujours en décoration, chers amis. Donc, on reprend notre petit wagon avec plusieurs étages. Il nous faudrait quelques petits, on va dire... Alors, pas cette couleur-là de lit, ce serait cool. On va essayer de mettre bed pour voir si on peut... Pas ned, bed. Voilà, on va essayer de trouver donc des lits potables. Alors, surtout pas ce lit-là, il y en a déjà un comme ça. Alors, j'ai bien dit des lits. Je vais en prendre deux comme ça. On va bien voir. Glitch bed, pourquoi pas. Deux comme ça. Alors, ceux-là, non. Il y a celui-là aussi, j'aimerais en prendre deux. Rust bed, pourquoi pas. Mais je suis pas très très fan. Les rides, il me semble qu'ils sont très particuliers aussi. Torture bed, je pense pas que ce soit très très bon. Ok, bon, mais il est en double. Pourquoi pas. Non, pourquoi pas celui-là. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais vraiment exactement, mais bon, on va bien voir. Alors, il est donc organisé et prévu que cette zone-là soit une chambre d'habitation pour quelqu'un d'autre. Donc, il y aura un minimum de possibilités, entre guillemets. Sachant que ça, non. Alors, il me semble que j'avais vu des choses. Wooden table. Alors, je voulais hésiter, par exemple. J'ai hésité, par exemple, à mettre un truc comme ça et en mettre un autre au-dessus. Vous voyez, par exemple, faire ça et ça. Est-ce qu'on peut dormir sur celui-là? Voilà, on peut dormir sur les deux. Ce qui, au final, ne pourrait ne pas être si mal. Cependant, j'aimerais tenter si je peux pas en mettre un légèrement au-dessus. Parce que, vous voyez. Non. Non, je peux pas. Sauf si. Alors, on va faire le test, hein. Hop, les. Voilà. Si je fais ça, et que je rajoute un lit super... Enfin, comme ça, un lit de ce genre-là, hop. Est-ce que je peux dormir sur celui du haut? Oui. Et sur celui du bas? Oui aussi. Ah! Ah ah! Commence à trouver ce qu'on veut, chers amis. C'est parfait. Donc ça, c'est génial. J'aimerais du coup profiter de ceci. Hop. Je sais que normalement, il y a des longs trucs comme ça. Donc normalement, il faut que je regarde si... Long wooden cabinet. Ça, donc c'est pas celui-là que je veux. Je sais qu'il y a quelque part, normalement, quelque chose de plus... Non, je sais plus si c'est un locker. On va bien voir. On va le trouver de toute façon, hein. Regardez celui-là, mais je crois qu'il est trop gros. Flat Locker. Je crois que c'est celui-là. Vous voyez? Il est tout tout fin. Et je pense que je pourrais le mettre en dessous, en fait. Je pourrais même en mettre 3. Il m'en faudrait un de plus. Flat Locker. Je regarde si je peux pas les avoir là. Parfait. Hop, ce qui fait trois petits trucs en dessous. Voir limite, est-ce que je peux... Non, je peux pas en mettre entre deux, j'imagine. Ah, je peux en mettre même là. Intéressant. Hop, on va les spam, vous allez comprendre pourquoi. C'est pas grave, hop. Ce qui permettra en fait de donner un espèce de, comment, de lieu de rangement en fait à ceux qui souhaitent venir. Et surtout par exemple, vous savez, c'est comme dans un... Enfin, on a aussi les lunars normalement, attendez, je vais vous montrer. Il y avait aussi ceux-là que j'avais mis dans la précédente moon. Alors, bed directement. Bon, j'ai pas trouvé les lits que je veux, c'est marrant parce qu'ils étaient très 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 bien. Hop, 3D. Alors, on va essayer de les retrouver. Je sais que ça s'appelle pas des lits, hein. C'est pas bed le nom. Blue chair, elle est marrante celle-là. Hop. Je vais essayer de vous retrouver ça.
Ça, c'est un tabouret. Ça, c'est des chiottes d'extérieur. Hop. J'espère qu'ils les ont pas supprimés, ce serait vraiment stupide. Non. Ah bah il les aurait bien supprimés. Alors ça c'est vraiment vraiment dommage. Pourtant, bon bah attendez, je vais vous les montrer comme ça, ça ira plus vite. Voilà. Hop. Parfait. Ce sont donc ces lilas. Alors attendez, ça se trouve, je vais pouvoir les scanner en fait. On va bien voir. Hop. Voilà, c'est ces lilas. Moi qui m'intéresse. Alors si je les scanne. D'accord. Bon bah j'ai pas réussi à avoir le nom. C'est dommage, j'aurais bien aimé les avoir. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai pas. Oui, ça m'intrigue. Bed, si je mets bed dans tout. C'est vraiment dommage ça. Non, lunar. C'est ça qui m'a. J'étais persuadé que ça s'appelait lunar quelque chose, moi. Un instant. Voilà, re, chers amis. Donc, on va refaire la recherche. C'est pas dur. Si je le trouve pas avec ça. Je ne le trouve pas. Donc je vais vous montrer comment les faire spawn. Slash spawn item une fois que vous êtes en admin. Lunar base bunk. On va faire post. Hop. 9, 9, 9. Voilà, ça me les fait spawn. Je peux pas les prendre parce que je suis full tous les coups. Tout à fait. Hop, ça c'est moche. Et donc en fait ça me donnait des lits comme ça. Du coup bah, vous avez pu les voir tout à l'heure. Et en fait dans ces lits là on peut ranger des choses dedans. Vous voyez, dedans, en dessous, tout ça. J'aurais pas eu la place pour en mettre deux, donc vous voyez au final c'est un très bon. Je trouve que c'est un très bon compromis que j'ai réussi à faire là. Bon, par contre après c'est vrai que ça fait peut-être redondant dedans. Ça peut être posé pour poser en fait. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? On va faire ça comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une chambre d'une autre personne? Forcément une armoire. Donc. Ward. Ok, ok, ok. Voyons voir avec ça quelle taille ça prend et ce qu'on peut en faire. Hop, je les mets à la poubelle du coup, j'en ai plus besoin. Hop. C'est un poil trop grand. Alors, si on fait plutôt cabinet. Ah mince. Cabinet. Alors. Tondeur issue cabinet, non, surtout pas ça, ça, ça non plus. Ça non plus. 32 items, c'est pas mal ça dis donc. Surtout pas. Non plus. Non plus. Non plus, c'est pas ça que je cherche. C'est plutôt ce genre là, voilà. Ça, ça c'est très très bien. Ok. Ah, y a pas de mirror. Bloc, si je mets bloc. Ben, j'aurais dû aller voir ça aussi. Hop. Où elle est mon armoire? Où elle est mon armoire? Rassurez-moi, j'ai bien fait de spawn. Oui, ils sont là, pardon. C'est pas une armoire que je cherchais. Ok. Si je mets juste pour voir, si je mets. Hop. Ah, y'a que celle-là, c'est dommage. Ah non, attendez. Ouais, enfin bon, ça fait particulier quand même. Hein.
On va en mettre deux, c'est pas grave. On va voir si ça marche. Ça passe. Ça passe, mais c'est absolument laid en fait. Non, donc non. On se retient, chers amis. Encore un instant. Re, donc, alors. Slash spawn item. On va voir si ça marche. Mirror 999. Voilà. Donc, ça, chers amis, c'est un bloc miroir. Donc, vous voyez, il est dans les blocs. Cependant, je ne sais pas si je peux. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Bon, on va mettre comme ça. Hop. Voilà. Ou alors peut-être que si je fais... C'est compliqué. Et juste comme ça, est-ce que ça rend mieux ou pas? Peut-être. Alors, est-ce que je pourrais peut-être poser des choses sur la commode du coup? Ouais, j'ai pas trouvé ça ici. Hop les. Non, ici. Hop. Décoration. Donc, c'est là qu'il faudrait quand même trouver un petit peu de. De trucs sympas. Donc, là pour l'instant, c'est très très glauque. Ah bah des pluches. Tiens, plushies. Unicorn, forcément. Pop, pop, top. Aussi. Vyrorb aussi. Ça aussi. Ça aussi. Je vais pas avoir la place sur un, mais c'est pas grave. Beer. J'en ai fait deux beer. Bon, c'est pas grave. Ok. Ça c'est parce que c'est moche. Ça aussi. Ça j'ai déjà. Je vais l'utiliser plus tard. Ah c'est con, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je voulais pas supprimer les ventes, c'est dommage. Ça pour l'instant c'est inutile, ça j'en ai déjà mis. Ok, allons voir. Ok. Alors, cette peluche là, oh, elle est grosse. Ok. Celle-là, oh elle est mignonne. Je peux pas la mettre, elle est hyper grosse. Elle aussi d'ailleurs. Ah, celle-là elle est plus mignonne déjà. Hop. Enfin, plus mignonne, tout est relatif. Mais elle est moins grosse. Ok. La tortue, on la met devant le lit. Le machin tout rose, tout moche, on le supprime. Ça, c'est moche aussi. Ça, la licorne, on la pose devant. Non, c'est chiant, ça prend de la place. Ça aussi, ça prend de la place. Et le teddy bear, j'en ai déjà mis un. Ok, bon. Alors, pour ce petit truc-là, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait trouver quelque chose à mettre ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans une chambre? Un PC, vous me direz. Oui, oui, il y a du vrai, mais il y a du vrai, mais j'en ai pas. On pourrait mettre un terminal. Je sais pas si ça va rendre bien par contre. J'ai pas en trouvé ici. Sauf si j'étais dans une catégorie particulière. J'étais dans une catégorie particulière. Terminal. Ouais, pour pouvoir discuter avec ses amis. Pour peu qu'on en ait. Ouais, ça jure un petit peu, je dois l'avouer. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Non. oh, un rocking chair, y a pas? Je crois qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un. Merde. Rock, alors. Non, il n'y en a pas. Chair.
Vrai chair. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Ou alors... Ou alors... Plus, surtout pas. Ou alors, ou alors, ou alors. Il y a un petit cabinet au milieu, j'en avoir un en plus, un petit cabinet quelque part. Plus, c'est même pas dans la bonne case que je suis, c'est ici que je devrais être. Voyons voir, si je mets traditionnel, je dois pouvoir trouver un truc tout petit en fait, je crois. Traditionnel. Voilà. Alors, wardrobe, et non. Non, j'ai pas parce que... ça pourrait être joli. Si, je sais. C'est pas ça. Ah, je sais ce que je suis censé trouver. C'est pas ça. Traditionnel, voilà, ça doit être là-dedans. Merde, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Faut que je le retrouve. Ça va être compliqué, ça aussi, tiens. Est-ce que c'était là-dedans? Est-ce que c'était là-dedans? Rien, vibrante. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vais te trouver. Je vais te trouver. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Ça non plus. Ça, je vais en prendre un. Ah, ça j'avais pas vu ça. Classic bookcase, classic China. Je savais bien que ça avait un rapport avec China. Voilà. Par contre, la bouteille, je suis désolé, la bouteille elle va sur la table. Hop là, voilà, ça c'est bon, chers amis. Alors, si je rajoute à cet endroit. Un petit cactus. Je voulais voir, mais je pense pas que je vais avoir la place. Ou alors faut que j'enlève le cactus. Bon bah j'enlève le cactus et j'aurai pas besoin de cabinet par contre. Ou alors j'en fais qu'un seul vu qu'il y a... Ah, il y a deux lits aussi, donc non, 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 faut que je fasse forcément ça comme ça. Hop. Et donc il va donc me falloir un tableau au-dessus. Ah, j'avais pas vu ça aussi, ça ressemble à quoi? Oh, mais c'était tout mignon ça! C'était tout mignon ça! Teddy Bear, tu bouges, toi tu dégages. Hop. Et Teddy Bear, il va à côté du lit. Voilà. Ok, il va me falloir des peintures. Oh putain, il me faut de la peinture. Paint. Painting, non. Traditional wave, non. Primitive hiéroglyphe, non, 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 non. Modern painting, non plus, non plus, non plus, surtout pas. Non plus, non plus, non plus. Un disque d'or, ça pourrait être sympa. On va retourner voir là-bas, c'est pas grave. On ouvre la porte, on referme la porte. Hop! Non, mauvais bouton. Alors, allons-y. Non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Surtout pas. Non, ce n'est pas le villageois de Minecraft, c'est moi. Ce n'est que moi. Pouf, pouf, pouf.
je vais pas te trouver. Non. 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 Ah, puis je sais ce qu'il faudra que je fasse aussi en tout dernier. En tout dernier. Fossil name, non. Fossil name, fossil name, fossil name, fossil name, fossil name. Fossil name, fossil name. Non, je vais le trouver. Ça c'est joli, mais c'est un poster, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, on devrait s'en approcher normalement. Non, toujours pas? C'est quoi ça? D'accord. On va pas le trouver, c'est pas possible. Moi, je vais prendre la glitch map au cas où. Mining hasard, non, surtout pas, ce serait stupide. Oh! Ça, il me le faut. Je vais pas le trouver, c'est casse-couille ça. Planet Monitor, non, pas besoin. Checkout sign, non, 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 non. Ah, mais je le trouve pas, c'est casse-noisette ça. Test fossile, non. Pourtant, il devrait être dans le coin. Bon, je vais prendre la treasure map aussi parce qu'elle est jolie. Au cas où. Mais où est-il? Où es-tu? Ici. Non, je l'ai pas trouvé, c'est casse-couille ça. Bon, bah, on va faire avec ça, on va mettre les pingouins. Je pense que les pingouins sont. Ah putain, les pingouins sont gigantesques. Les pingouins sont gigantesques. Ça aussi. Et ça aussi, mais c'est génial! Ah ah! On va prendre la traditional wave et on va pas s'embêter. Ça aussi! Trop gros. On va prendre juste le disque d'or, voilà, on va pas s'embêter, puis on va mettre ça. Ah bah non, parce que le disque d'or aussi est trop gros. Putain! C'est pas possible! Epex portrait, j'aime pas les Epex, c'est ce qui passe lui? Lui il passe par contre, il peut pas m'en faire un autre comme ça de cette taille là. En plus il passe pile comme il faut quoi. Ah je crois que le banane il est petit en plus. Oui! La banane! C'est la banane, voilà. Voilà, bon c'est pas un de mes plus beaux, hein. Je l'admets, c'est pas un de mes plus beaux appartements. Loin de là. Mais bon, je le trouve cool, malgré tout. Ok, donc il nous reste ces deux bâtiments, ces deux espaces-là, où il y aura donc un espace de, bah, de soins de soi, de soins de soi-même. Hein. Donc une salle de bain, toilette, tout ça. Et à côté, une infirmerie, voilà. Mais bon, je pense que, chers amis, vu comment j'en chie pour faire tout ça, on va se mettre ça dans le prochain épisode et on laissera ça de côté pour l'instant. Écoutez, merci d'avoir aidé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager les vidéos, ce sont toujours d'excellents moyens pour me faire connaître les amis, je vous remercie. Pour ceux qui ont des problèmes de connexion au serveur, je tiens à vous assurer que le serveur est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'entre vous en fait ne lisent tout simplement pas ce que je mets autour, autrement dit il faut par exemple pas cliquer sur le lien directement, il faut faire un copier-coller. Tout ce genre de choses, et donc faites quand même attention à ce qui est marqué autour, je pense avoir mis ce qu'il fallait à côté. Pour ceux qui veulent donc, ceux qui ont de véritables problèmes pour se reconnecter, ben, allez voir sur le groupe Steam, c'est encore mieux indiqué. Voilà. Donc merci les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures.